Non, Takanazayon, oui, l'artiste reggae, bon, on peut dire reggae d'un sol de la Guinée et de l'Afrique, il a tapé fort encore, les gars. Il a sonné fort parce que, ouais, là, l'équipe n'est pas sortie. Hein. L'équipe va sortir le 20 juillet 2024 à 16h. L'équipe va sortir, les gars. Déjà, l'équipe commence à faire des polémiques parce que là, ils sortent pour le président guinéen, général Mamadi Doumbouya. Et il y a certains Guinéens qui se trouvent que donc Takanazayo, c'est un artiste commercial, c'est un artiste qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, les gars. Moi, je vais décortiquer. Nous tous, on connaît Takanazayo. Takanazayo, l'un des meilleurs artistes africains, surtout Raga Densol, les gars. Reggae Densol, c'est pareil. Raga Densol, Reggae Densol, c'est pareil, les gars. OK? Nous tous, on connaît Takanazayo, c'est un artiste polyvalent. Un artiste incroyable qui a du talent, un talent incroyable, les gars, qui nous a fait danser, qui nous a fait quand même envoûter avec, en tout cas, son style de musique. Donc, Takanazayo, c'est un artiste à respecter en Afrique. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont en train de critiquer Takanazayo, soi-disant que Takanazayo, c'est un mendiant politique. Écoutez-moi, nous tous, on sait, les artistes reggae, c'est des gens qui sont engagés de véhiculer des messages très important pour les jeunes Guinéens et surtout aussi pour dénoncer ce qui se passe en Afrique. Mais Takanazayo, c'est un artiste reggae dancehall. Takanazayo ne fait pas de la politique. Takanazayo, c'est un artiste reggae dancehall. Nous tous, on connaît la position de Takanazayo depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé de voir la position de Takanazayo. Lui, il ne fait pas de la politique. Lui, il fait de la commerce, les gars. Business. Vous savez, dans les showbiz, il y a du business. Oui, Takanazayo, c'est un artiste du showbiz. Donc, dans les showbiz, il y a du business. Donc, Takanazayo, ils savent ce qu'il est en train de faire, les gars. Parce que, donc, ils savent que, donc, la Guinée, donc, la musique ne paye pas, les gars. La musique ne paye pas. Les artistes ne gagnent rien. Donc, ils profitent pour gagner son argent. Ils font du business. C'est ça qu'il est en train de faire. Takanazayo, c'est pas comme Elie Kamano. C'est pas comme Tiken Jah Fakoly. C'est pas comme Alpha Blondy. Takanazayo, c'est un artiste reggae d'un sol. Donc voilà, il fait danser tout le monde et il fait ce business pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous avez compris quoi, ce que j'ai en train de dire. Donc arrêtez quand même des polémiques, ça ne sert à rien. Vous connaissez Takanazayo. Donc ça ne sert à rien venir publier soi-disant que Takanazayo c'est un mendiant politique. Depuis longtemps, vous connaissez la position de Takana, vous connaissez comment il fonctionne. Juste s'il sente danser et partager et liker, c'est le plus important parce que nous, moi je connais Takanazayo. Je connais en tout cas la position de Takanazayo. Donc, si c'était Elie Kamano qui faisait ça, je vais parler parce que Elie Kamano, on sait, c'est un artiste engagé politiquement. Ok, c'est un artiste qui dénonçait depuis le début ce qui se passe en Afrique. Mais Takanazayo, ce n'est pas le cas. Donc, arrêtez quand même de venir de vilipender Takanazayo. Il n'a rien fait. Il a fait comme d'hab, les gars. Il n'a rien changé. Il n'a pas censé quelque chose, les gars. Donc, s'il a sorti un clip, soit vous écoutez, soit vous écoutez pas, soit vous regardez, soit vous regardez pas. Si ça vous plaît pas, il faut pas regarder, les gars. Ok? Nous tous, on connaît les positions de Takana depuis longtemps. Donc, ça, c'est rien venu. Non, il a trahi, blabla. Non, il n'a rien trahi. Il reste lui-même, les gars. Il reste lui-même. Il n'a rien trahi, les gars. Ok? Peut-être c'est vous qui n'avez pas compris Takanazayo. Mais depuis longtemps, moi, j'ai compris Takanazayo. Si c'était Eli, on va critiquer parce que depuis. Eli a dit c'est un artiste quand même engagé. On connaît la position d'Eli, mais il a un peu changé lui aussi quand même. Donc voilà. Maintenant, il veut des récupérations lui aussi. Donc voilà. Eli, bon, bref, je ne vais pas parler de toi. Après, on va parler de toi, mon frère. OK? Mais Takanazayo, nous tous, on connaît la position de Takanazayo. Donc ça ne sert à rien d'être étonné, les gars. Ça ne sert à rien d'être étonné concernant Takanazayo. Donc voilà. Et ça va sortir le 20 juillet. Et puis, le son est magnifique. Hein. C'est Takanazayo, c'est dit Takanazayo. Et puis, les clips aussi est magique, les gars. On connaît, c'est dit Takanazayo. Voilà. Sauf, vous allez danser forcément. Vous allez danser le son de Général Mamadi Doumbouya, forcément. Takanazayo. Et les gars, là. Non, vraiment, vraiment. C'est dit Takana encore pire. Dit Takana, toujours. Il nous fait dit Takana toujours. Il nous fait du Takana toujours, c'est du Takana toujours, les gars. Donc arrêtez, ça sert à rien de venir parler de lui, les gars, parce que lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Vous aussi, laissez votre avis personnel sur les commentaires. Mais il ne faut pas hésiter de liker, de commenter, les gars. Donc quand vous regardez, likez, commentez, s'il vous plaît. Les likes, ça nous fait plaisir, les gars. C'est très important. Merci pour nous soutenir.